C'est bon les premières fois. Hein. Allez, Marc Lavoine n'est pas le seul à apprécier de partager la musique hein, et la scène avec de ravissantes et talenteuses chanteuses. Alain Chamfort apprécie tout autant. Il est accompagné d'Alizé pour reprendre un duo emblématique des années 80, Adélaïde, Alizé et Alain Chamfort. Adélaïde, vous êtes belle, mes yeux sont fixés sur la mouche. Adélaïde qui m'ensorcelle, mouche si près de la bouche. De temps en temps, je vous observe. C'est une rencontre ce soir sur ce plateau. Alizé, Alain Chamfort, Adélaïde. Tout un univers, venez près de moi. Merci à vous d'être là. Ça va, Alizé? Oui, ça va. Ça va avec ton nouvel album Psychédélice? Oui, tout va bien. Tout roule. Bon, alors, les histoires d'amour impossibles. Alors, il y a Adélaïde, il y a Roméo et Juliette aussi sur ton album. Oui, c'est ça. Alors, toutes ces chansons comme ça que l'on partage sur un plateau, Alain Chamfort, c'est raconter des histoires à deux? Oui, c'est reprendre aussi une chanson comme ça qui a été marquée dans les années 80 oui. Et qui a toujours finalement d'actualité. Quoi. C'est-à-dire, quand les chansons parlent d'amour et de relations, ça fonctionne toujours, quelles que soient les époques. Quoi. Et même les histoires d'amour impossibles comme Adélaïde, merci beaucoup à vous deux, vraiment, de nous avoir offert ce moment. Merci. Et vous n'êtes pas un vieux freluquet comme elle vous le dit comme ça dans la chanson. Non, moi c'était je pour trouve... rire. C'était pour rire, c'était pour la chanson. Alors ce duo, ce très joli duo Alain Chamfort réalisé a été créé spécialement pour cette émission, mais s'il était sorti dans le commerce, eh bien je suis certaine, persuadée qu'il se serait retrouvé parmi les 10 meilleures ventes de duos en France et les voici, regardez.